Show me what you've got! I'm really hungry! Fight me, Kakarot! That was pretty fun. Don't mess with the chain. Rising.com. Comme vous l'avez vu sur cette introduction de psychopathe, on se retrouve aujourd'hui avec Hyper Dragon Ball Z, la démo, tout fraîchement sortie en semaine dernière, de ce qui s'annonce en fin de compte être le DBZ ultime en 2D. Donc, on va juste faire un petit tour par les options pour vous montrer quand même qu'il y a 8-9 niveaux de difficulté, une difficulté bien corsée d'ailleurs, avec une possibilité également d'augmenter la vitesse du jeu jusqu'à 9, truc de malade, alors qu'en normal déjà c'est hyper chaud. Mais franchement, les fans de baston 2D vont être ravis avec cet hyper Dragon Ball Z. Comme je vous dis, voilà, c'est l'expérience ultime en quelque sorte, avec pas mal de modes disponibles sur cette démo, l'arcade, le combat à deux players, la team coop, le survival, l'entraînement. Donc c'est plutôt pas mal pour une démo, disponible donc uniquement sur PC, et bah ça tourne tout simplement sur le moteur Mugen, qui permet de faire des jeux de baston un petit peu dans le plus pur style des jeux de baston hyper dynamiques et hyper bourrin et hyper techniques que sont les Marvel versus Capcom. Donc voilà, il a été mis en chantier je crois il y a quelques années, mine de rien, par 11 programmeurs totalement fans. Pour une démo, vous pouvez tout de suite vous rendre compte que ça met carrément à l'amende la plupart des DBZ de 2D sortis par Namco Bandai, hein, y compris la légende Saiyan, qui était sortie en 94 sur Super NES, que moi j'avais beaucoup apprécié. Ouais, il est considéré comme par beaucoup comme l'un des meilleurs DBZ 2D. Je suis de cet avis. C'est vrai qu'on n'a jamais trop parlé ensemble de DBZ. Bon voilà, c'est un anime que j'aime plutôt bien. Je suis pas non plus le plus grand fan de DBZ de l'histoire, mais bon voilà, ça fait partie de ma génération, donc c'était un peu inévitable DBZ. Donc j'ai joué forcément, vu que la Super NES et mes cousins aussi, et qu'ils étaient eux-mêmes fans de DBZ, à Super Mutoden 1, 2 et 3, très 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 régulièrement, pendant de nombreuses soirées, de nombreux après-midi, on s'est éclaté à jouer à DBZ, et franchement on se marrait bien, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard, le jour où je vous ferai une petite vidéo présentation des DBZ, des Super Mutoden.
Voilà. En plus, ils avaient le mérite, enfin, ils avaient le défaut plutôt d'être assez lent. Et là, comme vous le voyez ici, bah, ça va à fond la caisse. Donc là, j'ai gagné mon perso, mon combat contre Hercule Satan. Il y a que 5 persos sur cette démo. Donc moi, j'ai pris Vegeta. Vous avez également toute une petite tripotée, là, une petite armée de Cybermen. Vous avez beaucoup Krillin. DBZ, c'est un de mes persos préférés avec Vegeta et Sangoku. Je sais pas, Krillin, il a un truc. C'est le plus fort des humains à mon sens, bien plus fort que Tenshinhan, etc. Toutes ces espèces de tocards, je parle même pas d'Yamcha parce que bon voilà. Mais moi je kiffe grave Krillin et j'espère qu'il sera jouable dans ce hyper Dragon Ball Z. Voilà. Donc comme vous le voyez sous vos yeux, c'est hyper vif. Super rapide, péchu à mort, hyper spectaculaire. Moi j'aime beaucoup. Bon après c'est très 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 bourrin. Franchement ça doit pas être évident de maîtriser le gameplay dans son ensemble sur la version finale. Il y a quand même déjà quelques vidéos sur internet qui tournent du jeu avec des mecs qui se démerdent plutôt bien. Bon moi vous le savez, je suis totalement une pine en ce qui concerne le versus fighting, notamment en 2D. Moi je suis vraiment beaucoup plus Tekken. Mais bon voilà, je me suis dit voilà, ce serait pas mal de parler un peu de DBZ et de cet événement que représente la sortie de ce DBZ 2D. Voilà. Il y a toujours un petit peu d'humour, quelques références avec le Gomba là qui se fait écraser par Vegeta. J'ai également vu Sonic à un moment donné sur un de mes combats quand j'ai essayé le jeu. Donc voilà, il y a un petit peu d'humour et tout, il y a pas mal d'animations qui sont vraiment super bien faites. La bande son, comme vous l'entendez, franchement ça promet d'être du lourd, avec des effets sonores vraiment d'excellente qualité, qui sont vraiment tous issus de l'animé. Ça ajoute franchement au charme et à la classe du titre. Et franchement voilà, on attend quelque chose qui a jamais été atteint pour un DBZ en 2D. Donc comme je vous ai dit ouais tout à l'heure, la démo est entièrement paramétrable, ainsi que la vitesse du jeu. Mais c'est vraiment hallucinant quand tu mets en mode hyper hard et hyper rapide, tu te fais mais dérouiller déjà que là en easy 2, c'est hyper chaud. Donc voilà, franchement je pense à jouer avec un stick arcade à l'avenir. Le jeu visiblement pour l'instant il n'y a pas de version console prévue, forcément c'est un jeu totalement inofficiel, mais voilà la team Z2 je crois qu'elle s'appelle hein, qui développe le titre sans l'accord malheureusement de Namco Bandai, en plus en utilisant un moteur assez proche de ce que fait Capcom, aimerait bien sortir ce jeu. On espère que d'ailleurs que Namco ne fera pas comme Sega avec l'excellent Street of Rage remake qui avait été fait par les Espagnols de Bomber Games. Il avait été totalement interdit par Sega, là ce serait vraiment dommage pour les fans de pas avoir la possibilité de jouer à ce titre là. J'espère qu'ils vont faire les aveugles et qu'ils vont les laisser terminer leur projet, franchement qui s'annonce juste grandiose. Quoi qu'il en soit, il va faire, je pense, beaucoup de bruit chez tous les fans de DBZ. Et franchement, c'est totalement mérité pour ce titre. Vous voyez comment ça gère. C'est un truc de fou. Voilà. Alors là, on va se faire un petit combat Sangoku contre Sangoku. Matez-moi ça. Transformation super guerrier. Excellent. Franchement, les bruitages et tout, même les décors, ils sont excellents. Alors sur la démo, je crois qu'il y a 4-5 décors. Il y a Jirobe qui est planqué derrière son rocher, c'est excellent. Il y aura tout un tas de trucs comme ça, franchement, c'est vachement bien fait. Je crois qu'il y a même des Saiyans et tout qui passent dans le ciel. Je crois que ça doit être Sangohan et Sangoten. Enfin, c'est vachement bien foutu. Bien entendu, voilà, c'est un jeu hyper... hyper technique avec tout un tas de super attaques, des launchers, des air combos, des air dash, des super projections. Enfin voilà, ça tue complètement. Franchement, j'ai du mal à dire autre chose que des superlatifs quand je vois cette démo, parce que franchement, elle m'a vraiment impressionné pour des amateurs. C'est juste hallucinant. Voilà, mais écoutez, je vais pas vous en dire beaucoup plus. Je vais vous laisser apprécier la fin de cette petite démo. Je voulais vous faire rapidement donner mes impressions. Et bah, régalez-vous, téléchargez-le. Vous tapez super, hyper Dragon Ball Z, ils ont une hyper DBZ, ils ont une page Facebook.
Il y a un site où on peut télécharger la démo totalement gratuitement et essayez-vous-y sur PC. Je crois le fichier doit faire 100-150 MO. C'est jouable si vous connectez votre manette et franchement vous auriez tort, amateur de baston, de ne pas vous faire plaisir. Parce que franchement ça s'annonce juste énorme. Allez, je vous dis à la prochaine. Tchuss!